On a enfin vu tourner la PlayStation 5 et il y a quelques surprises. Ce dimanche était la deuxième fois qu'on voyait tourner la PlayStation 5. On l'avait déjà vu, hein, mais on voyait pas la machine, juste la manette, la DualSense. Pour préparer la sortie le 19 novembre, la console hyper attendue s'est laissée approcher par une sélection de youtubeurs japonais, dont certains à 6 millions d'abonnés, donc un peu plus gros que Michou et 3 fois moins suivi que des Cypriens ou des Squeezie. On apprend quelques trucs sur cette nouvelle presse. D'une, la DualSense, la manette de la PS5, peut désactiver ses vibrations next-gen. Aussi, il y a 4 petites lumières assez discrètes sous le pavé tactile. Grâce à elles, on peut savoir quel joueur on est, le 1, le 2, le 3, le 4. Et il y a aussi des petites diodes d'ambiance à droite et à gauche du pavé tactile. Bon, à côté de ça, la sélection de jeux était pas folle, hein. À part Godfall et ses jolis reflets, on a revu Astro's Playroom qui met en avant les fonctionnalités de la manette, on a aussi eu du Devil May Cry 5 Next Gen, mais aussi du Balan Wonderworld, un jeu qui sort aussi sur Switch et qui fait pas trop rêver quand on pense à la Next Gen. Mais du coup, où est Demon's Souls? Et aussi, qu'est-ce que c'est que cette machine sous le bureau du youtubeur? Pourquoi la console n'a pas ses diodes allumées? Quelle est la vraie taille du SSD? J'ai évidemment toutes les réponses, c'est juste que...